Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur Mobster Planet, je dis petite parce que je pense que je ne serai pas très longue, dans laquelle en fait je voulais tout simplement remercier toutes les personnes qui m'envoient et qui m'ont envoyé déjà leur ticket VIP. Et merci, mon dieu il est minuit passé, je reçois encore des salutations, merci Lulu, c'est super gentil, merci beaucoup à toi, je te fais un très gros bisou. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement renvoyer tous les tickets VIP que j'ai reçus et que je n'ai pas utilisés. Et également, si les personnes ne sont pas dans mes amis, parce que ça, même que des personnes qui ne soient pas forcément amies avec moi m'envoient des tickets. Donc c'est super gentil, merci beaucoup à vous. Et je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir accepter tout le monde en ami parce que, regardez, j'ai 2600 personnes dans mes amis déjà. Je sais que ça va jusqu'à 3500. Je suis déjà allée jusqu'à 3500 hein, en ami. Et je peux vous dire que le jeu devient vraiment, mais genre, vraiment injouable. Je n'arrive plus à jouer ensuite. Et merci à Catherine. Merci beaucoup, Catherine. C'est super gentil. Merci beaucoup. Mais fallait pas. Elle m'a envoyé un petit auto. J'ai envoyé un petit auto et elle m'a fait une salutation. C'est trop gentil. Merci beaucoup à toi. Merci énormément. Donc on revient au sujet de la vidéo, donc je vais renvoyer les tickets, si je n'ai pas les personnes en ami qui m'ont envoyé les tickets, bien sûr je vais leur en renvoyer une invitation, puisque c'est la base de base, vous allez voir un petit peu que j'ai quand même reçu pas mal de tickets, et c'est vraiment super gentil de votre part, j'en reçois aussi également sur, je crois que, mais, attends, c'était sur quel compte? C'était sur le compte canadien, j'avais reçu un ticket aussi, je ne sais plus. Mais en fait, voilà, j'ai tout ça en ticket VIP, donc Chewbacca, Pierre, Bella, Kinza, la plus belle des MSP, Star Zelda. Ici, nous avons encore Dragnil, Ilan, Lowen, Just Cool, Jadina Jardin, Loulout, 1, 2, 1, 3, 3. Lowen, Melvina, Fake Love, Nana, Rougia, le BG des BG, Titlenouille, Arizona, Michounette et encore Michounette. Et là, nous avons des tickets que j'avais déjà utilisés. Je crois que c'était pendant une période. Soit quand j'avais besoin de diamants pour, parce que j'en avais plus pour lancer un boost. Soit pendant une petite période entre le moment où je me suis remis VIP, je ne sais plus, mais en tout cas voilà, j'ai 4 pages de tickets VIP que je n'ai pas ouvert, je n'ai pas utilisé. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire mais pourquoi tu les gardes pas, etc, etc. Et en même temps j'aimerais bien passer un message dans cette vidéo pour vous demander de ne plus m'envoyer de tickets VIP. Vous êtes super sympa à m'envoyer des tickets, vraiment c'est super gentil de votre part, merci beaucoup de penser à moi, c'est super généreux de votre part. Mais je pense qu'en fait, il y a des personnes qui n'ont pas cette chance-là d'être VIP et moi je l'ai déjà. J'ai déjà la chance d'être VIP, voire même Star VIP et de pouvoir me mettre VIP toute seule. Lorsque j'ai commencé YouTube, c'est vrai que j'avais pas forcément les moyens ou quoi parce que je trouve que le jeu il est extrêmement cher. Mais maintenant, grâce à YouTube, grâce à vous qui regardez mes vidéos, bon, je ne m'en cache pas, mes vidéos sont monétisées. De toute manière, même si je voudrais m'en cacher, je pourrais pas parce que voilà, les pubs sont là au final. Et ça me permet de, déjà de pouvoir me mettre VIP sans toucher à mon argent, à moi en fait. Voilà, grâce à YouTube en fait. En gros, YouTube, grâce à YouTube, je peux être VIP. Au début, voilà, je ne pouvais pas. Parce qu'au début de YouTube, c'était les débuts de YouTube, t'as vu. Je faisais pas de vidéos, je faisais que des lives, donc il n'y avait pas de monétisation. Et du coup, voilà, maintenant, grâce aux pubs des vidéos, je peux me mettre VIP rien qu'en utilisant l'argent de YouTube. Donc déjà, remercie à vous par rapport à ça, merci de me suivre, on est presque 100K sur la chaîne, merci beaucoup à vous, c'est super gentil, ça fait vraiment plaisir. Et deuxième chose, c'est que tout simplement, même s'il n'y aurait pas YouTube, voilà, je suis une personne assez grande pour me mettre VIP toute seule. Et je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas cette chance de pouvoir se mettre VIP par eux-mêmes, par leurs propres moyens ou par le moyen de leurs parents. Et du coup, moi, en fait, c'est pour ça que je préférais que vous envoyiez ces tickets VIP à des personnes qui ne peuvent pas être VIP, qui n'ont peut-être même jamais été VIP de leur vie. Parce que moi, c'est vrai que je vous offre des cartes cadeaux assez régulièrement, que ce soit en live ou des fois dans des vidéos surprises. Et du coup, en fait, ça fait plaisir. Ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Et du coup, c'est pour ça aussi également que j'ai pas besoin que vous m'envoyiez de tickets. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes, il y a des tickets qui datent. Donc, j'espère que ces personnes, elles sont toujours actives. C'est pour ça également que je montre les pseudos pour pouvoir... Enfin, déjà d'une, pour que vous sachiez...
Désolée, j'ai été interrompue en pleine vidéo, du coup je ne sais plus ce que je disais. Ouais, non, je disais, j'espère que les personnes qui m'envoyaient des tickets VIP, que vous êtes toujours actifs pour que je puisse vous renvoyer vos tickets, que vous puissiez les renvoyer à d'autres personnes peut-être, qu'ils en ont peut-être plus utilité que moi. Ce serait super sympa. Et également, ben, bien sûr, Michounette, que j'ai déjà en ami. Voilà, je vais vous inviter, enfin toutes les personnes qui m'ont envoyé des tickets, bien sûr, c'est dans cette vidéo-là, hein, exceptionnellement, bien sûr, parce que je ne veux pas, je sais qu'il y a des petits malins et des petites malines qui vont m'envoyer des tickets après cette vidéo, juste pour que je les ajoute dans l'ami, qu'après que je leur envoie le ticket. Donc, je préviens que, voilà, je ne vais accepter les amis que les personnes qui m'ont envoyé des tickets là maintenant, parce qu'ils me les ont envoyés à la base sans savoir que j'allais les ajouter en ami. Hein, les petits malins, les petites malines, je vous vois arriver. Mais voilà, par exemple, Arizona qui m'a envoyé un ticket il y a super longtemps et que je n'ai toujours pas en ami. Vraiment, c'est pas cool. Bon, au moins, je sais qu'elle est active parce que, voilà, la demande, elle est récente, parce qu'au bout d'un moment, la demande, bah, elle disparaît. Pareil, dites-les nous, donc ça fait plaisir. Voilà, donc vraiment, les personnes à qui je renvoie, vraiment, faites-en bon usage de votre ticket. Et merci beaucoup. Oula, j'ai failli cliquer sur le... Bah, après, il faut que je renvoie aussi des... Ah oui, bah, faut que je les renvoie aussi. Faut que je vais le faire en même temps. En tout cas, vraiment, faites-en bon usage. Envoyez-le à quelqu'un à qui ça va réellement faire plaisir. Même si moi, ça me fait plaisir plus par le geste que par le cadeau en lui-même. Attendez, je vais renvoyer en même temps les tickets. Renvoyer. Voilà. Donc on va renvoyer tous les tickets dans cette vidéo. Renvoyer. Donc même Michounette qui m'en avait carrément offert deux, quoi. Et merci aux personnes précédentes, hein, à qui j'ai utilisé le ticket. Merci beaucoup à vous, vraiment. Donc on va tout renvoyer. Donc comme je disais tout à l'heure, ne m'envoyez plus de tickets, s'il vous plaît. Gardez-les pour les offrir à d'autres personnes. Voilà. Qu'ils en s'en serviront mieux que moi. Donc Nanaï, j'ai déjà vérifié. J'ai envoyé une petite invitation. On va renvoyer. On va renvoyer les tickets. Il y a Rougia 8778. Et également, voilà, si je peux leur faire une petite pub en vidéo pour leur gentillesse. Je vous renvoie tout. Je renvoie tous les tickets. Ouais, n'hésitez pas également à le dire. Oula. En même temps, il y a un petit bug ici. Oh, lui inactif. Bon, j'espère quand même qu'il pourra récupérer le ticket et en faire quelque chose. On va renvoyer. Renvoyer fake love. Fake love. Fake love. Bon, c'est pas la même chose quand je chante que quand c'est BTS, mais bref. On renvoie fake love, pareil, qui m'a demandé en ami. On invite. Donc, je rappelle, à partir de maintenant, je renverrai tous les tickets VIP que vous m'envoyez. Mais par contre, je ne vous demanderai pas en ami, puisque... À cause de cette vidéo, comme je disais tout à l'heure, des malins, des malines en profiteront pour utiliser ce prétexte pour penser que je vais leur envoyer et leur demander en ami. Et du coup, le geste ne sera plus le même parce que à la base, ils m'enverront le ticket non pas pour le geste, mais plus pour ce qu'il y a derrière. Donc voilà, ne m'envoyez plus de tickets et on renvoie. Donc bon, après, c'est une vidéo à part que je voulais faire aussi pour les cadeaux. Mais j'en profite également pour les dire dans cette vidéo, peut-être parce qu'il y aura peut-être plus d'impact si je le redis dans plusieurs vidéos. Mais en fait, vous êtes très sympa aussi à m'envoyer des cadeaux, mais il y a tellement de cadeaux que je n'ai toujours pas ouvert. Donc il serait peut-être préférable que vous ne m'envoyiez également plus de cadeaux. Donc pareil, c'est super sympa de votre part. Merci beaucoup de penser à moi lorsque vous envoyez des cadeaux. Lorsque vous m'envoyez des cadeaux, c'est super gentil. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui seraient super heureuses de recevoir... les cadeaux, hein, que vous vouliez m'envoyer à la base. Puisque moi, il y a des chances que je n'arrive pas à ouvrir votre cadeau parce qu'il va disparaître dans l'espace-temps de tous les cadeaux que je reçois. C'est le trou noir, les cadeaux. Et c'est pas cool. C'est pas cool parce que le cadeau disparaît au final. Je parie qu'il y a même dans mes cadeaux des drips que je n'ai jamais réussi à ouvrir. Et du coup, bah, j'en profite pour vous dire de ne plus m'envoyer de cadeaux. Je pense pas qu'un jour j'arriverai à ouvrir tous les cadeaux, c'est mission impossible. Pour les personnes qui me disent, mais pourquoi tu n'ouvres pas tous tes cadeaux? Bah, tout simplement qu'au bout d'un moment, à force d'ouvrir tous les cadeaux, bah, mon jeu va encore plus bugger que maintenant, à savoir que j'ai déjà plein de choses qu'il faut que je trie dans mes affaires, que je n'ai toujours pas fait, parce que c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, ça se trie pas en deux secondes, surtout quand t'as un compte. En fait, vous le savez peut-être pas, mais arrivé à un moment donné, quand vous avez énormément d'objets,
quand vous faites du recyclage, et ben le recyclage, pour recycler un objet, il y a un temps d'attente entre deux objets qui est vraiment très long. Des fois, ça peut aller jusqu'à 45 secondes, une minute avant que le jeu se débloque. Donc, je suis obligée de trier un objet, d'attendre 45 secondes, une minute, de recycler un objet, d'attendre 40-45 minutes, secondes. Et c'est super, super ultra long, quoi. Et vous vous rendez pas compte, parce que peut-être pour les gens qui n'ont pas autant d'affaires que moi, je le sais, parce que moi, j'ai aussi d'autres comptes où c'est des comptes beaucoup moins, entre guillemets, surplombés d'affaires, de choses, et qui bug beaucoup moins. Ou en fait, quand je recycle, ça prend même pas une seconde, et je peux trier comme ça, recycler directement, quoi. Et c'est ouf d'attendre autant de temps. J'essaye de faire également des cadeaux tous les jours, mais en faisant des cadeaux tous les jours, j'arrive pas à écouler autant d'affaires que j'ai, en fait. C'est ouf, quand même. C'est ouf. Voilà, donc cette vidéo, ça fait un petit moment que je voulais la faire. J'ai jamais vraiment trouvé le temps. Oh, Kazelle la Queen. Oh, regardez, en plus, regardez, j'ai même pas en ami. Elle m'a demandé en ami, elle attend que je l'accepte, ou que je lui renvoie une invitation. Et regardez son confetti, mais oh, en plus, elle est trop mignonne. Oh là là. Oh là là. Je me sens tellement mal, encore une fois. Bon, ça va, j'ai remarqué que la plupart des personnes qui m'envoyaient des tickets, elles m'ont demandé en ami, donc ça veut dire qu'elles sont toujours actives et qu'elles attendent toujours une invitation. Bon, il y a quelques petites personnes qui que la demande a expiré, donc j'espère quand même qu'elles sont actives et que le ticket ne va pas disparaître. C'est pour ça que j'espère qu'à partir de maintenant, je pourrai renvoyer des tickets VIP plus rapidement. J'attendrai pas 30 ans avant de le faire, pour que la personne puisse le récupérer rapidement et puisse le renvoyer. On sait jamais, ça peut arriver qu'une personne arrête MSP, et c'est dommage quand même qu'un ticket VIP se perde. Moi, malheureusement, de toute manière, si j'aurais pu renvoyer les tickets, je l'aurais fait à des personnes qui n'ont jamais été VIP. Malheureusement, je peux pas renvoyer les tickets. C'est uniquement la personne qui a reçu le ticket à la base qui peut choisir à qui l'envoyer, et la personne qui le reçoit ne peut pas le garder pour l'envoyer à quelqu'un d'autre, parce que là, vous avez uniquement ouvrir, renvoyer ou garder. Donc si je l'ouvre, c'est pour moi. Si je renvoie, ça renvoie à la personne qui me l'a envoyé. Si je le garde, ça va me le laisser dans le cadeau VIP, mais après, quand je recliquerai dessus, ça me remettra exactement les mêmes options. Donc voici Waluf, et on renvoie-tu, et puis c'est pas fini. Donc voilà, vraiment, ces personnes, elles sont super sympas de m'avoir envoyé. Ok, c'est bon. Écoutez, finalement, la vidéo, elle aura quand même duré bien plus longtemps que prévu. Je pensais que ça allait être plus rapide. J'avais oublié à quel point j'avais de tickets VIP. J'ai oublié le nombre de tickets VIP que j'avais, quoi. C'est ouf combien il y en a, quoi. Merci beaucoup à vous, hein. Franchement, je suis choquée de savoir qu'il y a autant de personnes qui m'aident, alors qu'à la base, j'en ai même pas besoin, en fait. Et c'est ouf comment vous êtes sympa et tout, et j'ai une communauté en or, quoi. En or comme l'or du ticket VIP. Bref, j'arrête mes conneries. Et je vous remercie encore une fois, et vraiment, faites-en bon usage, vraiment. En plus, c'est bientôt Noël, il y a des personnes qui kifferaient être VIP pour Noël. Vraiment, pensez à ces personnes-là. Et moi, sur ce, je vous laisse, je vous fais des très gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao.